Bien, nous nous retrouvons donc en haut de cette montagne, en bas d'un petit village. Hop, on va faire un petit zoom dessus ce petit village. Comme vous pouvez le constater. Et donc nous allons traverser donc cette route qui démarre à partir de tout en bas qui est là. Je vais faire un zoom dessus. Ça, vous voyez là, il y a le petit pont. Moi j'ai déjà commencé à faire la moitié du trajet en parcourant toute cette allée qui va jusqu'à là-bas et qui remonte jusqu'à ici. Donc le but c'est d'aller jusqu'à cette montagne qui est en face, jusqu'à peu près ici, je pense, je vois pas très bien, là où se trouve le fameux câble. Et ce câble qui passe donc de ici et qui remonte, donc qui traverse le bas, donc là où il y a cette fameuse rivière, et qui monte jusqu'au sommet de cette montagne qui est en face. Donc au sommet qui est jusqu'à là-haut. Donc je vais couper la vidéo ici et je vous reprends quand j'arriverai au câble. A de suite. Et donc nous revoici au sommet du petit plateau où il y a le câble. Je vais vous montrer donc ce fameux câble. Hop. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un câble qui date vraiment d'une époque assez éloignée. Je dirais une sorte de câble qu'on utilisait à l'époque où on construisait les rails, vous voyez, où il y avait les prisonniers qui faisaient tout ça. Et ça fait donc le tour de ce gros caillou pour aller donc se percher tout en haut du sommet. Alors je vais vous montrer un peu plus loin le rocher. Donc, comme vous pouvez le voir, s'accrocher à ce gros rocher. Et ça parcourt donc. Bon, malheureusement, il fait pas très beau. Je vais aller tout en bas. Essayer de pas tomber. Hop. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Ça va être assez compliqué. Ah, voilà, on voit un peu le câble là. Alors, je sais pas si c'est possible de le voir avec la caméra. Ah oui, on le voit un petit peu, voyez là, il dépasse, il va jusqu'à là, on a vu qu'il est quand même assez loin, il tangue un peu, il descend à peu près, je dirais, là où il y a ces cailloux en bas, et après il remonte jusqu'au sommet, qui est tout là-haut, vous voyez, il remonte à peu près jusqu'au sommet qui est tout là-haut, où il y a ces fameuses pierres un peu étranges. Enfin, ces pierres, on va pas dire des pierres, on va dire plutôt une façade de cailloux. Vous voyez, ça fait bien bon 3-4 km de long pour rejoindre l'autre côté de cette montagne. Donc pour moi, quelque chose qui cache là-haut. Je vais vous en profiter pour vous montrer un peu tout en bas. Alors, on va aller là. Regardez-moi un peu ce petit creek d'eau magnifique. Alors, on va zoomer un petit peu. Hop. Regardez-moi ce beau petit coin de paradis. N'est-ce pas? Il y a de quoi faire un bon plouf là-dedans. Allez, je vais m'arrêter là pour le moment. Et on verra ce qu'on peut faire par la suite. Allez, bye bye et au plaisir.